Maintenant, on va passer à la vidéo alpha vidéo. Et du coup, j'espère que déjà les précédentes vous ont plu. On continue dans la même lancée. Et comme d'habitude, tu n'hésites pas à donner un qualificatif avec les lettres qu'il y aura dans cette vidéo, mais que toi tu auras choisi. Allez, bisous! Salut, moi c'est Yann. Alors la lettre qui m'a été donnée, c'est la lettre K. Et avec cette lettre, je choisis de dire que Dieu est kiffant. Et quand tu apprends à connaître la personne de Jésus, tu finis par kiffer à être dans sa présence. Bonjour les amis. Ce matin, je vais prendre juste quelques secondes pour vous parler de Jésus avec la lettre L. Lumière. Jésus, la lumière du monde. En Jean 8, le verset 12, il est écrit: je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. Vraiment, je ne comprends pas comment des jeunes gens peuvent choisir de marcher dans les ténèbres. Je vais vous expliquer. Dans les ténèbres, on ne voit pas clair. On ne voit pas l'horizon. Alors que dans la lumière, on voit clair à l'horizon. Venez à Jésus et vous aurez cette lumière. Bye bye. Bonjour à tous, je m'appelle Jessica et la lettre qui m'a été donnée, c'est la lettre M. Alors j'ai choisi le mot merveilleux pour Jésus tout simplement parce que Jésus, quand il est rentré dans ma vie, il a su me combler d'amour, de joie et de paix. Et j'ai également découvert que personne n'était comme lui et que Jésus est vraiment bon. Voilà, soyez bénis. Bonsoir. J'ai été désigné. En fait, je dois donner un mot positif, qualificatif de Dieu en N. Et le mot retenu, c'est nature. Dieu est nature. Tout simplement nature. Naturel, naturel, naturel. Que Dieu vous bénisse et puis Dieu est nature. Je suis votre sœur Christy de Christ. Je viens répondre au jeu de notre sœur Caroline de JID, qui signifie jeune à l'image de Dieu. Alors, moi j'ai reçu la lettre O. Dieu est omniscient. Donc, il est au-dessus de la science, il est au-dessus de Dieu, il sait tout, il connaît tout. Et aussi, il est oméga, qui veut dire la fin de toute chose. On a l'habitude de dire alpha et oméga. Ben, comme moi, c'était O, ben, j'ai choisi oméga, quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo, vous aurez appris quelque chose, pardon. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Bisous de moi.